Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des corps de lâches et pour vous expliquer que les hommes sont ce que le monde fait d'eux. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que je vous ai déjà lu sur ma chaîne, mais comme je vous le dis, comme j'ai de nouveaux abonnés, eh bien, il est bon des fois de répéter comme un enseignant des leçons, comme l'enseignant répète tous les ans aux nouveaux élèves des leçons pour leur apprendre la vie. Donc, je vais vous lire ce petit texte et comme je vous le dis souvent, ça m'aide aussi puisque pour m'instruire, je me relis et bien sûr pour briller en société, je me cite. Donc, je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Corps de lâche ». Si tu es lâche, c'est bien souvent que tu n'as pas la possibilité d'être courageux. Si tu pèses 130 kg, ton corps rempli de stéroïdes, il est évident que tu auras l'agressivité et le courage d'imposer physiquement tes opinions et tes désirs en impressionnant et terrorisant les plus faibles que toi. Mais est-ce réellement du courage? Et aurais-tu été aussi arrogant avec un esprit habitué de vivre dans un corps de lâche? Ainsi, si tu as un corps de lâche, il y a de fortes chances que tu sois lâche, car tu n'as souvent pas la possibilité de faire autrement, et tu ne peux que subir avec lâcheté, même si ton cœur est juste et rempli de bonté. Avoir un corps de lâche n'est donc pas une insulte, mais plutôt une expression populaire réaliste sur la nature humaine. Et quoi que nous désirons être, c'est la réalité physique du monde qui fait nos corps et moule nos esprits. Pardonnons donc aux lâches et aux gros connards agressifs, car ils ne sont que ce que le monde fait d'eux. Voilà, petite vidéo philosophique pour vous expliquer que, quelque part, tout le monde est innocent et que nous sommes ce que le monde fait de nous. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt et paix sur terre, je vous aime mes frères.